Salut tout le monde, c'est BigGaming84. Aujourd'hui, on se retrouve pour la peinture de la maison de chez Italeri. Celle-ci. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple, moi qui aime pas trop peindre les maisons, tout ça. Voilà, me voilà devant le fait accompli. Je dois le faire pour la chaîne, pour tout. Donc, j'y vais. Je me lance. Alors je vous préviens, ça va pas être fantastique, hein. Ça va être même un petit peu catastrophique. Mais bon, voilà, qui ne tente rien n'a rien. C'est comme ça. Donc on y va. Alors première chose que je conseille de faire, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une petite sous-couche et ensuite j'ai fait un lavis noir costaud, hein, on le voit bien. Voilà, un bon lavis noir. Et là, je vais faire un brossage à sec des pierres. Parce que ça me semble la meilleure chose, je pense, et voilà, hein, même si, oh là, même si je trouve ça pas merveilleux, merveilleux. Vraiment, la peinture des maisons, je vous le dis honnêtement, hein, c'est pas mon truc du tout. Je sais pas le faire, et là, c'est vraiment une première pour moi. Et en plus, j'ai un pinceau qui est pas adapté. Bon, faut que je trouve un pinceau un peu plus adapté, mais un peu sec aussi. Alors, je vais prendre celui-là. Là, je mets ce qu'il faut quand il faut. Sais pas si ça vous le fait, ça. C'est pas grave, on va se débrouiller avec ça. Visiblement, on n'a pas le choix. Alors, hop, et on y va. Et là, je vais tenter le brossage à sec. Hein, technique que je maîtrise pas particulièrement, moi. Hein, c'est pas mon truc, le brossage à sec. Donc, je tâtonne, hein, réellement. Je vous garantis que je tâtonne complet. Et je tente de faire quelque chose de vraiment bien et de vraiment bon, joli quoi, on va dire. Ouais, de joli. Mais ça va pas être un résultat flamboyant. Moi, là encore, je suis assez satisfait de ce que j'ai fait encore, là, je trouve. Ouais, tac, tac, tac. Hop, et on y va, on continue. Hein. Là, on va le faire tout pareil. Voilà. Tac, tac, tac. Bon, ça va, ça rend assez bien le brossage à sec. Ça fait un travail correct. Même si je pense qu'un lavis sera nécessaire encore une fois. Mais pour l'instant, ça reste correct et franchement, ça va. On va prendre une autre chose pour faire le brossage. Allez. Alors là, j'utilise un bout de mousse que j'ai et je fais mon brossage à sec avec ça. Et je sais que ça marche assez bien en général, ça rend assez bien et ça correspond au résultat qu'on obtient avec un brossage à sec au pinceau, voire peut-être un peu mieux. Moi, ces traces de passage du pinceau, on les a peut-être un peu moins. Et encore. Hop, allez. Tac, 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 tac. Allez, hop. Voilà, comme ça, c'est pas trop mal encore. Ça fait ressortir un peu les pierres. C'est l'effet recherché, c'est ça qui est bien. Tac. On continue, la face avant. Là, par contre, on va essuyer un petit peu parce que, alors là, avec le lavis, j'ai été peut-être un peu généreux. Et on refait une face. Alors, c'est bien d'avoir un petit bloc comme ça, un petit bloc de mousse. Vous voyez, vous l'amidez.
Et vous y allez. Franchement, faut en avoir un petit bloc comme ça. La preuve, hein, c'est que ça marche. Regardez. Vous avez l'effet que vous voulez. C'est suffisamment dilué. Et puis voilà quoi. Je l'ai volé, par contre, ça n'a pas fait quelque chose de miraculeux quand même. Il y en a un qui n'est pas bien moulé. En plus. Pas moi qui les ai moulés, hein, mais c'est dans la boîte. Hop. Tac. On va faire la partie de dessous. Tac. Hop, voilà. On va faire à l'intérieur. À l'intérieur, je vais faire la même méthode. Pourquoi? Ben parce que ça permet de faire une petite couche d'épaisseur sur les murs. Et c'est pas plus mal. Si vous voulez les peindre d'une autre couleur, c'est pas plus mal de faire une couche un peu épaisse. Après, l'intérieur, c'est pas le truc le plus important, mais c'est bien que ce soit bien fait quand même. Même si je pense qu'à l'intérieur, honnêtement, vous pouvez vous amuser à peindre au pinceau. Hein. Mais c'est juste qu'à l'éponge, là, enfin à la mousse, ça va beaucoup plus vite. Voilà. On continue, on va faire la partie basse de l'intérieur de la maison. Tac. Et voilà, on a quasiment tout fait. Voilà. Alors là, ça suffit amplement. C'est pas merveilleux, merveilleux. Attention, hein, c'est pas le meilleur des résultats, mais il faut. Moi, je me contente de ça. Et là, par contre, je pense que. Là, par contre, ici, je vais le faire au pinceau, histoire juste de faire une couche un petit peu épaisse, c'est-à-dire l'intérieur du toit, là. Enfin, pas l'intérieur du toit, les parties qu'on emboîte, hein. Je l'ai fait comme ça, voilà, pinceau. Tac. Alors moi, pour info, ce bloc de mousse vient de l'ancienne mallette, enfin, de la mallette de mon ancien aérographe. Et l'aérographe avait une petite mallette avec des protections mousse à l'intérieur. Du coup, j'avais utilisé ça. Et bien, comme quoi, c'est utile. C'est de la récup. Et ça marche très très bien. Tac. Ok, on a fait ça. Je vais vite fait peindre la cheminée. Voilà, on n'a pas la cheminée. Et on en est où? Et bien, le résultat est pas trop mal pour l'instant. On a l'effet gris, on a l'effet blanc, noir. Pas trop mal. On va améliorer tout ça.
avec ces pierres-là en blanc. Et on fera les volets sûrement en bleu ou comme ça, mais un peu provençal entre guillemets quoi. Je suis désolé, vous voyez pas grand-chose, mais c'est tellement gros que c'est dur de bien régler la caméra. Non, voilà. Donc, excusez-moi, j'ai dû faire une petite ellipse. Donc, j'ai fait du brossage à sec un peu partout, sur les pierres, d'angle, tout ça, pour faire cet effet-là un peu toutes les couleurs. Donc, on continue. On va faire un brossage à sec ce coup-ci sur une autre partie. C'est les tuiles. Les tuiles, moi, j'aime pas les tuiles toutes rouges. Donc, ça va être des tuiles orange et rouge. Et oui. Donc, on trempe et on y va. D'accord, j'ai encore du blanc. Oh, c'est pas possible. Alors moi, j'ai pas de chance avec le nettoyage des pinceaux. Je sais pas, ou alors je sais pas m'y prendre. Mais alors, j'ai toujours une petite goutte de peinture qui reste dans les poils quelque part. Et c'est impressionnant. Tac, allez, on y va. Alors, je pense qu'on va plutôt tenter le lavis là si ça continue. Ça a du mal à venir. Ah oui, alors là, on va éviter la mousse aussi parce que visiblement la peinture n'aime pas. On continue. Voilà. Un petit brossage à sec, ça fait une nuance sur le toit. Et c'est pas plus mal, vous voyez. Honnêtement, ça évite d'avoir un toit trop uniforme, trop. Voilà. C'est bien de faire ça. Même sur les bordures, faites-le. C'est pas ce que vous regarderez, mais c'est quand même mieux d'avoir un travail un peu mieux fini. Et voilà. Maintenant, on va s'occuper du plancher. Oh, le plancher, on va pas s'embêter, c'est un style un peu parquet, donc on va faire un style un peu parquet, hein. On va pas trop s'embêter là-dessus. On va prendre du marron. Voilà, on prend une couleur classique et on s'embête pas trop. C'est-à-dire, sur le parquet, il faut vraiment pas réfléchir. Le marron, ça fait vraiment plancher et ça va très bien, quoi. Ça va très bien. On prend toujours le même marron de chez Tamiya. Hein. Toujours le même, le brown. Il s'appelle le brown numéro 29 de chez. Pas de chez Tamiya, de chez PBO. Et on y va. Sauf que là, à mon avis, on aura un meilleur résultat avec l'éponge.
Alors pour le parquet, on peint toujours dans le même sens, c'est mieux. Tac, tac, tac. Voilà. Et maintenant, on va faire juste dans les rainures. On va en passer un petit peu dans les rainures. Et voilà. Donc le plancher, c'est fait. Pas s'embêter plus que ça. Hein. Un plancher un peu uniforme, un peu éclairci, un peu foncé de côté et d'autre. Hein. Mais il est quand même assez uniforme. Je verrai, peut-être que je ferai un lavis d'une autre couleur, mais voilà. C'est pas encore. Enfin, je veux dire, c'est pas des plus choquants de le laisser comme ça. Hein. C'est, encore une fois, c'est l'intérieur de la maison. Donc. Je vais pas me trop me casser la tête non plus. Quoi. Mais là il est bien parce qu'en fait une fois que tout aura séché, il y aura des effets un peu et ça. En alternant le brossage avec la mousse et le pinceau, ça fait bien. Ça fait vraiment bien. Juste, il y a le centre là. Alors ça c'est un truc. Le centre qui est là, c'est un truc qui n'est pas bien placé. Et il faut le faire quand même. Donc je vais pas le faire blanc, je vais le faire complètement d'une autre couleur. Une couleur qui sort un peu du lot, comme si c'était en fait un gros meuble et pas un truc pour attraper quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais enfin, je trouve que c'est un peu mieux des fois de mettre en valeur d'autres choses. Allez, on y va. Hop. Regardez, de cette couleur là. Voilà. C'est sûr que c'est pas une couleur trop adaptée à un bloc de pierre, mais bon. Un bloc de pierre comme ça sur un plancher, je suis désolé, mais il n'y en a pas beaucoup. Hop, voilà. Bon, j'ai pourri mon carton. Mais bon, c'est pas grave. Alors là, on va passer à une autre étape. On va laisser un petit peu tout sécher là. Et on va passer au volet. Donc les volets, je veux les faire bleus. Maintenant, il suffit de trouver quel bleu. Et ça va pas être compliqué. J'en ai un qui est très bien, mais il faut le trouver. Le bleu, il est là. Alors moi, je vais faire un bleu type un peu Provence. Donc un bleu un peu comme ça. Voilà. C'est du peinture de chez PBO. C'est du bleu. Je vois plus. Bleu turquoise, a priori 61. Enfin, ça doit être ça. Donc, je vois plus parce que j'ai repeint par-dessus en plus. On va faire les volets en bleu. Ça change complètement. Alors, ce qui est clair, c'est qu'après, les volets bleus, bon, bah, c'est très. Ça fait vraiment Provence, quoi, mais bon. Alors, est-ce que ça va bien faire les volets bleus en fait? Enfin, j'ai peur que ce soit un peu trop. Que ça tranche un peu trop quand même. Hein. Ça tranche vachement les volets bleus. Hein. Ouais. Ça va pas aller. Là, ça va pas aller du tout. Ça correspond pas à ce que je. Non. Ça va pas. On va faire une autre couleur. Alors, je pense qu'on va faire des volets un peu crème. Ça correspondra un peu plus. Enfin, crème cendre brûlée, numéro 70 de chez PBO. Je pense que ça ira très 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 bien. Hein. C'est sûr que la maison va être un peu fade. Mais bon. Là, les volets bleus, c'était pas la meilleure idée du monde, visiblement. Honnêtement. Alors là, on va essayer de peindre ça correctement. Alors, plus chiant sur tout ce qui est volet, porte, tout ça, c'est la tranche.
En fait, on l'oublie assez facilement. Et pourtant, bah, il faut y penser parce que ça remplit une part importante de la peinture. Et surtout, ça, en fait, ça gâche quand on bouge le bâtiment et d'un coup, on s'aperçoit, oh, la tranche n'est pas peinte. C'est pas beau. Enfin, ça, on voit ça choque en fait. Ça choque vachement, je trouve. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis. Alors, ce qui est bien avec cette maison Italieri, c'est qu'elle est quand même vachement bien prévue. Vous pouvez vraiment super bien jouer avec sur une table de jeu parce qu'elle est, elle est vraiment à une taille vraiment adéquate en fait. Hein. C'est vraiment ce qu'il faut. Il fallait pas plus petit. Enfin, ou alors vraiment à peine plus petit. Mais pas plus gros. Plus gros, ça aurait été vraiment, vraiment trop gros pour une maison. Sachant que des fois, ben, quand vous mettez des maisons, typiquement, on fait tous à peu près la même chose. On prend des maisons HO, des maisons de réseau ferroviaire pour jouer, parce que ça va bien. Honnêtement, ça va super bien avec. C'est sûr que, bon, selon les situations, on voit que la maison est un peu petite, mais franchement, il y a pire. Et après, on voit bien, quoi. Hop. La maison, je pense que je vais la faire en marron foncé. La porte de la maison. Tac. Ouais, ça va mieux cette couleur de volet quand même. Alors j'ai un collègue, mon collègue est régulier adversaire Mouse, là déjà cette maison. Et on l'utilise beaucoup pour la campagne de France. Et elle va super bien, je trouve. Pour l'occuper, c'est simple, tout ça. On peut enlever le toit, on peut enlever le plancher, on peut occuper deux étages. C'est bien foutu quoi, vraiment Italieri a fait quelque chose de super bien. Bon, comme souvent on dirait avec Italieri, c'est un peu l'avantage quand même. Faire la façade. Et en plus, honnêtement, hein, pour ceux qui sont pas fans de l'assemblage des maisons et tout, celui-là, allez-y les yeux fermés parce qu'il est ultra simple. Honnêtement, enfin, j'ai rarement connu quelque chose d'aussi simple. Presque du Armour Fast quoi. C'est impressionnant. D'ailleurs, il existe une maison Armour Fast. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je sais pas si c'est bien. J'ai toujours voulu me la prendre, mais je l'ai jamais prise. Je sais pas si elle est bien cette maison Armour Fast. En plus, je crois que c'est un lot de 2. Donc c'est assez bien quoi. Tac. Et voilà. Maintenant, on va faire les volets de la façade intérieure. Alors ça, c'est pas des plus commodes.
Après, je pense que je vous montrerai les portes. On peindra ensemble les portes. Voilà, malheureusement, la tranche, je pourrais pas la faire. Hein. On peut en faire un petit peu, mais on peut pas tout faire. Oh, quoi que si, en fait. Si, si, à main levée, si on y arrive. Alors, je pense que dans les prochaines vidéos de présentation, parce que là, vous avez, il n'y a pas longtemps, vous avez vu mon armée polonaise. Je pense que je ferai comme demandé d'ailleurs, hein, vous l'avez plusieurs fois demandé, une vidéo sur ce que j'ai en empire. Donc voilà. Le problème, c'est que je rattrape mon volet bleu flashy. Faut faire ça correctement. Voilà. Voilà, ça va, ça se voit pas. Alors je vous le dis honnêtement, peindre les maisons, c'est quand même pas vraiment mon passe-temps. Hein. Franchement, je trouve ça long à peindre. C'est pas forcément très agréable et ouais, c'est un peu pénible. C'est un peu, ouais, il n'y a pas de détails, c'est pas super intéressant, quoi. Puis ça rend pas mon truc, quoi. Il y en a qui sont vraiment bons à ça. Peindre des maisons, il y en a, c'est leur truc, quoi. Alors moi. Hop. Et voilà, on a fait les volets, messieurs. Voilà ce que ça donne. Donc c'est pas mal du tout. Donc on a fait les volets, on les a finis. Maintenant, il ne nous reste plus grand-chose à faire, mis à part les portes, les rebords de fenêtres. Et on refera un petit peu l'intérieur de la maison vite fait. Mais regardez, voilà, ça donne ceci. Voilà. C'est une maison un peu sombre, hein, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va faire les portes. Les portes, je ne veux pas les faire avec le même marron. Je veux faire un autre marron. Pas celui du plancher non plus. Encore un autre. Un marron ombre brûlée 74 de chez PBO. Donc toujours le même. Hein. Celui-là, je l'utilise souvent. Il va très bien. Donc, on y va.
Hop, et on va faire la deuxième porte qui est derrière. Les portes, elles sont super sympas qu'ils ont faites Citaléri pour ça. Enfin, déjà, l'ensemble du kit était quand même assez sympa, il faut le dire. Ils ont fait un sacré travail. C'est vraiment un accessoire de Wargaming ou du Diorama, mais c'est quand même plus un accessoire de Wargaming, hein, on va être honnête. Italeri, ces dernières années, c'est vachement concentré sur tout ce qui est Wargaming, a tenté de pénétrer ce monde-là et il y arrive bien. Hein. Italeri fait de belles choses. La marque, moi j'apprécie beaucoup ses modèles. J'aime beaucoup les figurines Italeri qui sont toujours splendides, il n'y a rien à dire. Les poses, des fois, sont pas merveilleuses, merveilleuses, mais honnêtement, ça va. Franchement, ça va. Moi, je trouve que dans l'ensemble, Italieri, c'est quand même de la qualité et que c'est très très sympa. Il faut tenir compte de ça. Quand on achète du Italieri, c'est que vraiment, on a la qualité. Ils sont vraiment présents là-dessus. Et moi, c'est ce que je trouve formidable chez Italieri. Vraiment. Alors, je fais pas de la pub pour eux, hein, mais c'est que enfin, j'apprécie. Hein. Moi, j'apprécie la marque. Je trouve qu'il y a vraiment. Vraiment de la qualité, c'est au rendez-vous. Il faut quand même le souligner et c'est important. C'est vraiment important de souligner ceci. Allez, moi je fais les appuis de fenêtre. Alors je remets une petite couche parce que ça fait pas de mal. Hop. Alors, comme s'il y avait un peu de crépi à l'intérieur là. Tac. Tac. Parce que des fois sur les appuis de fenêtre, là, je vois qu'il y a du noir. Donc ça le fait pas trop quand même. Hein. Après, c'est plus facile de peindre ça de l'intérieur, étonnamment. Tac. Hop. Là, je fais vraiment tout ce qui est rebord de fenêtre. Hein. Vraiment, j'essaye de faire ça bien. Rebord de fenêtre, les appuis de fenêtre, les encadrements. Après, au niveau des marques de figurines, je parlais d'Italieri un instant, mais Revell fait des choses sympas aussi. Même si Revell, c'est vraiment de la maquette pure en fait. Revell, c'est pas trop leur truc le wargaming. On utilise leur modèle pour ça, mais c'est pas tellement leur truc. Et ça se voit. Ça se voit, ils préfèrent faire des modèles hyper compliqués, c'est leur truc, voilà. Faire des modèles hyper compliqués, ils adorent ça. On va pas les vexer, hein. S'ils aiment, ils aiment. Mais on le sait, c'est plus leur truc. C'est un peu comme Roden. Oh, j'ai acheté un modèle Roden, j'en ai un. Un 8 roues allemand. Bon, des 8 roues allemands, il y en a chez Roden, ça vous pouvez y aller. Mais ils ont un système de suspension. Je dirais que c'est le plus compliqué du marché pour rien. Vraiment, il est compliqué, mais je comprends pas pourquoi il le complique autant. Mais c'est pas des marques qui sont adaptées au wargaming, mais on les achète parce que elles proposent des trucs que pas grand monde ne propose. Et honnêtement, c'est souvent ça qui fait qu'on achète une marque. Parce qu'aujourd'hui, First to Fight, par exemple,
et un peu plus adapté au wargaming. Même si des fois il y a des trucs sur le montage, bon, c'est un peu c'est pas trop cohérent, mais honnêtement, c'est adapté pour le wargaming. Mais Revell, par exemple, on les achète les modèles. Mais franchement, c'est pas du tout adapté au wargaming. Et puis des fois, c'est vraiment un montage beaucoup, beaucoup trop compliqué. Les marques vraiment adaptées au wargaming, Armor Fast, Italeri, Airfix aussi. Airfix, c'est tout bête, mais Airfix, c'est facile à monter, c'est clair, c'est cohérent. Airfix, y a pas trop de problème, hein, franchement. C'est pas une marque qui pose beaucoup de problèmes. Bon, qui a des gros problèmes sur le renouveau de sa gamme, hein, ça. On se demande quand est-ce que Airfix va sortir des trucs un peu nouveaux, quoi. Ça, c'est impressionnant chez eux, ils sont pas capables de sortir des trucs nouveaux, quoi. Après, je comprends que sortir un nouveau moule, ça doit coûter une blinde aussi, hein, ça. Mais bon, quand on a les mêmes modèles depuis 20 ans. Ehler, c'est pareil. Ehler, je trouve que la marque fait plus tellement d'efforts pour sortir grand-chose, hein. On sent que Ehler est. Déjà, ça a été encore racheté, je crois, et l'heure est vraiment sur la fin. Hein. On sent que l'heure. Les jours sont comptés, quoi. Hein. Je sais pas. Je sais pas, je comprends qu'il y ait des petits artisans qui commencent à sortir leur épingle du jeu parce que ils sortent des trucs adaptés au wargaming. Et aujourd'hui, je pense que ce qui fait vivre les marques, c'est beaucoup le wargaming. Mais bon, après, ça doit pas être simple à pénétrer ce milieu, à pénétrer le milieu du wargaming. Et je pense qu'il y a des marques qui devraient un peu plus écouter les joueurs ou les créateurs, tout ça. Et notamment, les marques devraient être présentes lors de salons, de salons conséquents, et bien évidemment. Mais essayer d'aller au contact et tout, parce que leur politique fonctionne pas, quoi. Et leur, par exemple, à part le VAB, le VAB français, il n'y a pas grand-chose dans sa gamme qui est intéressant. Il faut être honnête. Le GMC Cargo, bon, qu'est-ce qui nous attire sur le GMC Cargo et leur? Rien de plus que les autres, hein. Faut être honnête, hein. Franchement, il n'y a rien de fabuleux, ce truc. Honnêtement, enfin après c'est mon avis, mais honnêtement il n'y a rien d'exceptionnel. Vous l'achèterez pas, je vais faire Les arches. Oui. Il n'y a rien qui peut faire acheter ce véhicule. Il est dans d'autres marques, aussi bien. En prix pareil, pourquoi on achèterait celui des leurs? Voilà. On l'achète, mais voilà. Le Sherman. On va prendre un Armor Fast. Hein. Seule différence, c'est que voilà, celui de Heller sera peut-être un peu mieux détaillé encore, quoi. Mais dans l'ensemble, je comprends pas pourquoi ces marques-là, qui sont en perdition totale, essayent pas de sortir des trucs un peu sympas. Et si, ils sortent des avions. Heller sort beaucoup d'avions. Ça, c'est leur truc. Alors, est-ce qu'ils les sortent réellement ou est-ce que c'est des négociations avec d'autres fabricants, j'en sais rien. Mais ils sortent des avions encore. J'en ai vu des nouveautés là en aviation. Moi ça m'intéresse pas, mais pour l'instant j'ai pas besoin d'avion. Mais pourquoi pas des blindés quoi? Et des blindés modernes, des blindés Première Guerre, tout ça. Première Guerre, il y a un énorme truc quoi. Il y a rien. Il y a personne qui en fait. À part Emar qui s'est mis dessus, heureusement. Eux, ils ont vraiment trouvé un bon créneau parce qu'ils sont quasiment tout seuls. Personne ne fait de première guerre, quoi. Strelet, peut-être, va commencer à réfléchir, mais qu'au niveau figurine, quoi. Enfin, pas commencer à réfléchir, commence à en faire. Et c'est que des figurines. On n'a pas de. Il n'y a rien de plus. Enfin, moi, j'ai rien vu de plus. Il manque des fabricants. En fait, il faudrait que vraiment il y ait un coup de pied dans la fourmilière, quoi. Il faudrait que quelqu'un arrive et dise, bon, ben moi je vais faire ça, je vais faire ça, je sors tel modèle et tout. Bon, et les autres, ils vont dire, bon, ben il faut suivre parce que sinon on va mourir, quoi. Mais on a l'impression qu'ils se reposent un peu sur leur laurier, des fois, les marques, ou alors que ben, il n'y a plus les moyens de sortir quelque chose, quoi.
faut dire, le wargaming est un peu en perdition ces dernières années. Honnêtement, hein, c'est quelque chose qui est en perdition totale. Hein. Ça n'intéresse pas les jeunes générations. Ça, c'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué, ça. Hein. Ça n'intéresse pas les jeunes générations. Et puis, il n'y a pas assez de communication sur le sujet. Heureusement, dans le monde par exemple, Warhammer, je ne suis pas un grand fan de Warhammer, hein, mais je trouve que ce qu'ils ont créé, l'univers qu'ils ont créé, est formidable. Vous avez en France des chaînes YouTube, Sector Galicius, vous avez French War Game Studio, French War Game Studio qui est pas mal du tout, hein, franchement. Hein, Julien, celui qui s'en occupe, fait quelque chose de vraiment bien. C'est formidable d'avoir quelqu'un comme ça. Et par exemple, Warhammer subsiste et tiendra toujours parce qu'ils ont beaucoup de fans. Et franchement, c'est bien, quoi. Par contre, dans le monde du wargaming historique, c'est compliqué. Hein. C'est waouh. Waouh, 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 waouh. Enfin, je sais pas, quoi. La plupart des gens qui s'y intéressent ont minimum la quarantaine. Très rares sont ceux qui ont moins de 30 ans. Faut être honnête. Il manque une communauté vraiment soudée. Parce qu'en fait, les communautés sont pas soudées, vu qu'elles ont chacune leurs règles, chacune ci, chacune ça. Enfin, il manque quelque chose, quoi. Il manque une communauté. En fait, voilà, il manque dans le wargaming historique une communauté qui vraiment suit. Et on est nombreux, on est quelques youtubeurs et quelques personnes à essayer de souder tout le monde autour de quelque chose. Moi, j'aimerais bien que ma communauté, que avoir une communauté plus grande et qu'ensemble on dise, bah tiens, ce serait bien si on essayait de lancer un événement dans telle région, tout ça. Mais aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est que les passionnés de wargame historique se font la guerre entre eux. Faut être honnête. Ils font la guerre aux nouveautés, ils font la guerre à tout ça. Et c'est beaucoup, beaucoup de personnes qui critiquent énormément. Moi, je vous le dis, je fréquente des communautés de wargamers historiques, donc, sur Internet, tout ça. Et à part critiquer, enfin voilà, ils n'arrivent pas à s'écouter. Quand ils arrivent à s'écouter, c'est juste au moment où ils se disent, ah ben tiens, si on faisait une partie ensemble, ah oui, là, ça y est. Là, ils se disent, ah oui, là, on va s'écouter. Mais en permanence, c'est de la critique. Et c'est vraiment dommage, hein, parce que il y a vraiment quelque chose à faire, quoi. On est nombreux, on est plus nombreux qu'on croit, honnêtement, mais on ne saisit pas l'opportunité. Si on la saisissait, tiens, je vous garantis que on serait tous vraiment contents. On serait vraiment, vraiment contents. Parce qu'on pourrait vraiment profiter de notre hobby comme on le souhaite. Et voilà, j'ai fait les murs à l'intérieur, je les ai fait blancs. Blanc, brossage rapide. Hein. Je mets le plancher. Et voilà ce que ça donne. Voilà, messieurs. Voilà la maison Italerie, peinte. Ah, elle est pas merveilleuse, je vous l'accorde. Mais vraiment, j'ai tenté de faire au mieux et je pense que c'est déjà bien, quoi. J'ai peur après de te fracasser mon travail, en fait. Là, je suis content, je pense que c'est un bon début. Enfin, c'est une bonne base et après, bah, il y en a plein qui pourraient l'améliorer, qui pourraient faire mieux, hein. Mais moi, malheureusement, bah, je suis pas assez bon pour ça et là, je pense que je suis au taquet de mes capacités sur un bâtiment parce que je ne sais pas faire mieux, en fait, tout simplement. Mais voilà, donc vous avez vu la maison Italieri, ça y est, je l'ai fini. Je suis content de l'avoir. Pour vous donner une idée, je dois bien avoir une figurine qui traîne. Ah ben voilà, j'ai des petits onglets là. Hop là. Donc voilà ce que ça donne, hein, une figurine à côté. Donc niveau échelle, c'est correct. La preuve avec la porte de derrière. Hein. Niveau échelle, c'est tout à fait correct. Quand on met à l'intérieur,
Il y a un défaut quand même, c'est que les mecs sont plus grands que la fenêtre. Pas de beaucoup, hein, mais ils sont plus grands que la fenêtre. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est tout à fait correct. Gros avantage, c'est qu'en partie, il y a le deuxième étage, rez-de-chaussée, et la partie qui est sous le porche, sous les arches, si vous préférez. Franchement, voilà, je vais casser le petit bout de plastique qui m'énervait depuis tout à l'heure, un truc de moulage. Reste d'injection, mais voilà. Mais franchement, c'est une super maison. Donc n'hésitez pas, si vous tombez dessus un jour. Donc c'est une maison de chez Italieri. Ça fait plus maison italienne ou méditerranéenne, ouais, c'est un peu ça. Mais bon, voilà, là on l'a faite. Elle peut servir pour la bataille de France ou pour les batailles en Italie, ça va très bien. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Laissez un petit j'aime, un petit commentaire. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Sur ce, à la prochaine tout le monde!